termine avec le bonus de la semaine. À l'appel de l'association Coucou Nouvalou, qui œuvre pour améliorer le quotidien des enfants malades dans les hôpitaux, le monde du cinéma s'engage. En effet, plusieurs comédiens ont accepté de jouer dans un spot diffusé dans les cinémas. La particularité du court-métrage, les adultes s'y amusent comme des enfants. Très sensible en ce qui concerne les enfants et d'autant plus dans les enfants malades, et je pense que tout ce qui est possible de faire pour les enfants, pour les aider dans les hôpitaux, tout ce qui est possible de faire, il faut le faire. C'est une association qui a créé ce qu'on appelle l'Abracadabox, qui est une façon de cacher tous les outils médicaux qui peuvent faire peur aux enfants. Donc voilà, les enfants, au lieu de voir une poche de perfusion, déjà s'ils voient un cache avec dessus leur héros favori, moralement ça les aide beaucoup. C'est des petites choses bêtes, mais de voir un truc qui peut s'apparenter un peu à un jus de super-héros, ils savent pas ce qu'il y a dedans, mais vu de là où ça sort, c'est forcément un truc qui va leur faire du bien. Nous avons tous une âme d'enfant. Coucou Nouvalou est l'association qui redonne le sourire aux enfants hospitalisés. Il faut que le cinéma s'engage, il faut que tout le monde s'engage. Ça me paraît naturel. Voilà, il y a des choses qui sont essentielles. Et les enfants, c'est une priorité. Donc, en fait, il ne faut pas se poser de questions. On essaye de les faire un peu rêver, on essaye de les faire un peu oublier leur souffrance, leur maladie. On arrive dans Noël, on arrive dans les moments heureux de famille et tout. Et c'est le moment aussi pour les associations de montrer qu'elles existent. Voilà, je trouve que c'est chouette. Moi, je pense que quand je serai retraitée, je ne ferai que ça. Jamais on améliorera assez les conditions des enfants dans les hôpitaux. Donc il faut donner. Pour soutenir l'association, c'est très simple, c'est coucounouvoilou.fr. Voilà, si vous voulez penser à tous les enfants qui sont à l'hôpital, et voilà, c'est le moment de vous mobiliser. Ciné-sortie, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour toute l'actu cinéma. En attendant, retrouvez-nous sur France.tv, rubrique Ciné-sortie, et sur les réseaux sociaux.